On se rend compte que les grands, ils font comme les petits, ils essaient de tricher. Ah si, vas-y, vas-y. C'est de la pêche organisée, c'est ça? Bien sûr. André, ça mord? Oh non, ça mord pas, André. Ce qui est bien, c'est qu'André, il peut pas tricher. Pardon, André. Les nouvelles sont bonnes? Il y a les trois grâces en orange. Pas mal comme couleur, surtout les chiens. Cette activité-là, du bleu, autre charge, les charges communes. Et puis oui, j'ai oublié de vous dire que les petites boîtes roses, alors elles sont toutes du même côté cette année. Vous voyez, elles sont toutes à votre gauche. C'est parce que nous avons des excédents dans tous les activités du centre. C'est pour ça qu'on les a positionnées à gauche pour qu'elles s'équilibrent entre les produits et les charges. Forme de vulgarisation par rapport à ce budget et aux éléments budgétaires, parce que c'est souvent très compliqué à comprendre comment un budget est construit, pourquoi une structure a un budget aussi important, pourquoi le résultat d'exercice est ce qu'il est. Donc c'est simplement pour vous dire que, eu égard en fait au budget de la structure, un résultat d'exercice tel que celui qu'on présente en 2012 est tout sauf une aberration, c'est certainement une nécessité. D'ailleurs, parce qu'on a beau être une structure associative, elle fonctionne bien évidemment comme une entreprise, cette structure associative, et une entreprise qui doit fonctionner correctement et qui, pour bien fonctionner et survivre, doit générer régulièrement des bénéfices.
La différence avec une entreprise, c'est qu'en fait, ces bénéfices ne sont pas redistribués à d'éventuels actionnaires, mais restent dans la structure pour pouvoir continuer à fonctionner. Ça alimente donc ce fameux fonds associatif. Oui, je m'étonne que le cumul des prévisionnels, des charges, donc des actions qui vont être menées, sont légèrement en baisse par rapport à ce qui a été fait cette année. Est-ce qu'il y a un écart d'activité qui le justifie, ou pourquoi il n'y a pas plutôt, plutôt un effort supplémentaire, un peu plus d'actions menées qui sont des charges supplémentaires? Ce n'est pas énorme, il y a quelques 3-4% d'écart, mais c'est une question que je vous posais. Ouais, je voudrais aborder dans le sens de cette réponse. En sachant qu'une comparaison d'une année sur l'autre, c'est toujours très mauvais. Ça donne un rapport par rapport à l'année précédente, mais on ne peut pas comparer sur des activités comme ça si on ne le fait pas sur plusieurs années, effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire. Et notamment dans le cadre de la petite enfance, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les comparaisons. C'est comme de dire dans des écoles, on a 100 enfants inscrits à l'école et on en aura toujours 100. On passe à la lecture du rapport alors du commissariat aux comptes. Et puis ensuite, on va vous proposer 4 temps de vote, si mes souvenirs sont bons. Pour l'exercice, le coût de ces postes est évalué à 9 900 euros. Et la mise à disposition du local utilisé pour la crèche, qui est évaluée à 6 383 euros. La communauté des communes prend également en charge les frais de ce local et les amortissements. Ensuite, différents matériels donc liés à la crèche, le coût 16 068 euros, ainsi que la piscine dont elle est propriétaire pour 543 euros. On a une convention avec le commissaire aux comptes de 6 ans. On arrive à l'échéance, donc il faut qu'on fasse le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes. Je ne sais pas parce que si vous voulez, elles sont lourdes.